qu'on pourrait écouter l'homme du Nord. Hey, j'aimerais ça donner le cue. Attends une minute. OK, je vais donner le cue. On va se préparer, par exemple. OK. OK, attends une minute. Elle commence assez doucement. Fait qu'il faut elle pas... commence doucement. OK, tu vas aller. Tu vas aller. Est-ce qu'on m'entend quand je parle là-dedans? J'imagine. Je pense que oui. OK. Tu vas aller bon, à côté du chef d'orchestre. Hein? OK. Quand c'est le temps, là, tu regardes le batteur, puis tu dis go. OK. Ma mère peut t'expliquer comment ça se fait. Ouais. Là, il va, là j'attends que Rock me dise. Pire gars, on va dire 1, 2, 3, 4. En fait, c'était 1, 2, 3, 4, 5. Je suis complètement mélangé. C'est que je vais te laisser Marc qui est prêt. Donc, es-tu prêt? Ah, moi, je suis prêt. Moi, tout ce que j'ai besoin de dire, c'est go. Go! Parallèle en méridien, je parcours ce continent. Et quand parfois on me demande d'où je viens, moi je réponds simplement. Maintenant, les trois chansons
que tu pratiquais aujourd'hui, les trois chansons que tu as faites, tu t'es même pas trompé. J'ai mes textes, c'est pas grave. C'est vrai? Puis les autres, ils sont pas trompés non plus aujourd'hui? Non, mais c'est déjà. Ça fait déjà une semaine qu'on répète, on a triché un petit peu. Uh-huh. On s'est préparé. Oui, oui, oui. Non, ça fait du bien, puis comme je disais, quand il y a du monde, on se force un petit peu plus, puis ça nous entre dans le mood. Est-ce que c'est un spectacle réglé au quart de tour ou tu laisses la place pour l'improvisation? Bon, l'improvisation dans les salles de 16 000 personnes, c'est moi, un petit peu... Ben risqué, ça marche pas toujours, en fait. Okay. Donc, on a une base très solide. Puis après, ben c'est drôle à dire, mais c'est le monde qui mène le show. Hein? Mm-hmm. S'ils veulent chanter plus longtemps, s'ils veulent chanter plus fort, on s'ajuste au moule. Mm-hmm. Ouais, surtout. Donc, elle, la chanceuse, donc, va être à Paris, va voir ton show à Bercy. C'est quand la première fois que tu as vu Rock Voisine en spectacle? En 1990, okay. À Berthierville. À Berthierville? Oui. Il y avait du monde, c'était plein, c'était la folie. Ouais. C'est quoi ta chanson préférée de Rock Voisine? Bien, je les aime toutes, là, mais du premier album. J'aime beaucoup les chansons du premier album. Comme? Comme Avant de partir. Mm-hmm. Je les aime toutes pareilles, là. Mm-hmm. Mais elle a ses préférées. Mm-hmm. Hein? Un petit peu comme on a toutes, on a tous nos préférées. Mm-hmm. Mais... Si j'ai mes préférées, Drag Voisine. Ah oui? Ouais, ouais. C'est quoi ta chanson préférée, Drag Voisine? J'aime beaucoup Mountain Girl. Ouais. J'aime beaucoup Shadow Dream. J'aime beaucoup I'll Always Be There. Et j'aime beaucoup Shout Out Loud. Ouais. Petit coup de shout-out là, juste pour rire. Petit coup de shout-out là. Juste pour rire. On va changer de guitare, là. Si vous me donnez 30 secondes. Shout-out là, capot 5e. Hé, tabarnouche! Là, on les met sur le stress, on va sortir. Mais Rock, on va se laisser là-dessus sur votre prestation de shout-out là. Je te remercie beaucoup d'être venu faire un tour à Musique Plus. Ça me fait plaisir. Et puis, tu vas revoir Lynn et moi aussi à Paris en janvier. Je vais l'accompagner. Ben, ça va aller te voir. Savoir que c'est une ambiance qui est assez spéciale. De toute façon, on revient, on s'en va pas pour tout le temps. On revient au mois de mars, on va être au Forum, et puis on va à Québec, on va aller se promener un petit peu partout. Merci beaucoup, ça nous a fait plaisir. Au nom de toute la gang, merci de nous avoir invités ici, c'était le fun. Merci beaucoup. Bye. À bientôt. Merci beaucoup. Bye. Alors, on écoute Rock Voisine et Shout Out Loud avec ses musiciens. Je vous remercie d'avoir assisté à cette journée de Rock Voisine répète à Musique Plus. Bye, tout le monde.